La mort du député chérubin Okende Sanga est toujours au cœur d'une polémique en République démocratique du Congo. Né le 5 septembre 1961, chérubin Okende Sanga avait plusieurs casquettes. L'élu de la capitale de Kinshasa fut ministre des Transports, des Voies de Communication et de Désenclavement avant de démissionner le 28 décembre dernier pour rejoindre l'opposition. Devenu le porte-parole de l'Ensemble pour la République, le parti de l'opposition dirigé par Moïse Katumbi, par ailleurs candidat annoncé pour la présidentielle prévue cette fin d'année. Après avoir pris une part active au dialogue congolais de Sun City et de Pretoria, en qualité de vice-président national de la Société civile du Congo, il entre en politique activement en 2003 et est élu député national. Chérubin Okende va créer dans la foulée son propre parti politique appelé le Front social des indépendants républicains dont il fut le président jusqu'à sa mort. Fin orateur, Chérubin Okende Sanga a occupé plusieurs postes dans les cellules de la communication dans de nombreux regroupements et coalitions politiques sous Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Rappelons que le défunt était nanti d'un doctorat en droit public de l'université de Kinshasa et diplômé également en statistique et mathématiques de gestion à l'université de Lubumbashi. Aussi, sur le plan professionnel, Chérubin Okende a été nommé administrateur dans plusieurs entités étatiques de la RDC, notamment au Fonds de promotion de l'industrie et l'ancienne compagnie aérienne du pays, y compris les lignes aériennes congolaises.